L'avantage de ces nouveaux combustibles est que le client ne doit pas modifier son installation actuelle. Il garde sa citerne, il garde sa chaudière et on peut progressivement mélanger ce combustible bio avec les combustibles fossiles actuels. Une des alternatives possibles au mazout est le nouveau mélange de combustible R33 pauvre en carbone. Il contribue à réduire les émissions de CO2 d'un tiers, sans compromettre la facilité d'utilisation et le confort. Et il y a 3 ans d'ici, j'ai pris une nouvelle chaudière plus performante, plus technique, quoi. Mais ce nouveau combustible n'a rien changé dans la manière de se chauffer. Tout s'est bien passé, comme d'habitude. Je ne vois pas la différence entre l'ancien et le nouveau combustible.